Alors nous sommes arrivés d'Af Samerzain, de Nida Samerzain pour le dimanche, donc Aleph Tevet, deuxième jour de Rosh Chodesh, donc 1 Tevet. Il nous restait les quatre dernières lignes de Samervav Amodbet, quatre dernières lignes. Amar Rava. Rava il dit, Isha lota amod al gabe kele heres vetit bol. Une femme, elle ne doit pas se tenir sur un kli heres, donc un support en argile, pour faire la tvila. Alors la Gemara explique, ça va, Rav Kahana, le memar ta'ama mai, mishum gzirat merhatzaot. Ha al gabe seta, chapé dami. Rav Kahana, il a pensé, il a dit, pourquoi Rava, il a dit qu'elle n'a pas le droit de se mettre sur donc un support en argile? Parce qu'on craint qu'après les gens, comme dans les bains, ils s'assoient sur un support en pierre, ils vont dire là la même chose que c'est le bain. Ils vont donc faire le bain à la place de la tvila. Sous-entendu, il comprend, Rav Kahana, que si maintenant elle prend un support en bois, que ça ne se fait pas dans les malhatsaot, ça perd d'amis, donc c'est mouta. Amali Rav Hana min hedia. Il vient Rav Hana, il dit non. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi Rav a dit qu'une femme ne doit pas se mettre sur un clihel, c'est un support en argile, mais shum devarit. Parce qu'elle a peur de tomber et donc elle ne fait pas comme il faut la tvila. Alors du coup, c'est un ami barit. Même si tu prends un support en bois, ça fait peur aussi, donc elle ne va pas faire convenablement sa tvila. Amar Rav Shmuel Barav Ishaq, il a dit Rav Shmuel Barav Ishaq, Isha lotit bol banamal. Une femme ne peut pas faire la mikvé dans un port donc pour les bateaux. Pourquoi? Afaga, parce qu'il dit au fond du port, il y a de la boue. Et on craint que quand elle se met là-bas, et donc ses pieds sont dans la boue, ils collent avec la boue, et donc il y a hatita. Afagav de Hashtalika, même si en se levant, en sortant de là-bas, on ne voit pas qu'il y a de la boue sur ses pieds. Emma, Beradioni, Nafal. On va dire, peut-être qu'en essayant de remonter, et avec l'eau, la boue, elle s'est détachée de son pied, mais pendant qu'elle faisait le mikvé, il y avait de la boue, il s'est raté ça, donc le mikvé n'est pas valable. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire un mikvé dans le port. Avo de Shmuel, Avad levnate mekvaot beomenisan, ou ma passé beomet tishri. La Gemara raconte que le père de Shmuel, il faisait pour ses filles, il ne veut pas les laisser faire tvila dans les fleuves. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il leur faisait des mekvaot à Nissan. Pourquoi Nissan? Parce que comme donc, la saison de pluie elle est passée, il y a beaucoup d'eau de pluie qui l'emporte sur les eaux du fleuve. Et comme ça coule, l'eau de pluie, elle est valable quand elle est donc entassée. C'est-à-dire, elle est stable, stagnante. C'est pour ça qu'il leur faisait un mikvé pendant Nissan. Et la même chose pendant les Tishri, où il pleut, il leur faisait des mapatsés, donc des tapis sous le fleuve. Comme ça, elle ne se mélange pas avec de la boue, il n'y a pas de hatsitsa. Amar Rav Gidal Amar Rav, il a dit Rav Gidal au nom de Rav. Natna tafshil livna vetav la ve'anta lo anta la tevela. Afagav dihestalika emod beradioné nafal. Il a dit donc Rav Gidal au nom de Rav, si une femme elle a donné à manger à son fils, et après elle est partie faire mikvé et elle est montée et qu'elle n'a rien, et bien la tevela n'est pas valable. Pourquoi? Parce que même si maintenant elle n'a rien, on craint que du fait qu'elle a donné à manger à son fils, elle s'est salée avec le manger, donc ça a collé, ça a fait une hatitsa sur elle. Amar Rami Baraba, il a dit Rami Baraba, Hani Ravdi de Kusilta, quand quelqu'un il se pique avec donc une aiguille ou autre, at la taille au mai jusqu'à 3 jours après donc cette blessure, la haïtse, la peau elle est encore molle, et bien il n'y a pas de hatitsa. Mais quand va ilar, au-delà, ça fait une croûte et ça fait hatitsa. Amar Mordaokba, il a dit Mordaokba. Les flouves chez Bahreïn, donc les sécrétions qu'il y a dans l'œil. Là, quand il est humide, et non, ce n'est pas une hatitsa. Par contre, il y a vesh, quand la sécrétion devient un peu sèche, solide, ça fait hatitsa. Et la Gemara explique, et matin, quand est-ce que ça s'appelle les secs? Mishaash matril l'irok, à partir du moment où ça devient vert. Amar Shmuel, il vient Shmuel, il dit, que hol shebetoch ha'ayin, quand on met donc du hol dans l'œil, si c'est à l'intérieur de l'œil, eh bien, enohotit, parce que à l'intérieur de l'œil, les larmes, ça s'humidifie, donc c'est humide, c'est liquide, ça pose pas de problème. Par contre,
mais le kol, donc le noir qu'on met sur les yeux. Alors s'il est en dehors des yeux, il est hotet, c'est normal. Maintenant, il continue, il dit, « Imhayouane apodhot » Si maintenant cette femme, elle ouvre les yeux, elle les ferme régulièrement, donc de façon nombreuse, même au-dessus de l'œil, il n'y a pas de hotet, parce qu'avec le mouvement des yeux, ça va donc s'humidifier et couler. Amad Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Patha ineha biyot, ratma ineha biyot, la antalat vila. Si une femme, en rentrant en mikvé, elle ouvre les yeux très grands ou elle les ferme donc de façon très très serrée, la tvila n'est pas valable. Ça fait une hatitsa et il faut recommencer donc le mikvé. Amad eshlakesh viyakesh, il dit, Haisha lotet bol, elle la dergidelata. Comment une femme, elle fait la mikva, le mikvé, comment elle trempe? Dans quelle position? Eh bien, comme elle marche d'habitude. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle ait les mains, les bras collés au corps et les pieds collés, les joints l'un sur l'autre. Comme la Mishnah enseigne dans les Garim là-bas, quand un Kohen il vient vérifier si une tache de lèpre, c'est une lèpre ou pas. Comment l'homme il se positionne? Comme si qu'il est odeur, c'est-à-dire il est en train. Il lève le bras un petit peu pour nettoyer les végétations, ou bien comme au Serzetim, ou bien il est en train de cueillir les olives. Et pour la femme, comme Aurère est contenté en train de tisser, là aussi elle soulève un peu le bras, donc il ne faut pas qu'elle se lève complètement le bras. Et comme si elle allait de son fils, donc elle se baisse un petit peu, comme si elle était en train de donner à l'été son fils. Amad Rabba Baravuna. Il vient Rabba Baravuna, il dit Nima Ahad Kshora Hotzeset. Si quelqu'un, une femme, elle a un cheveu, mais il est noué avec un nœud, donc il y a une Hatitsa. Parce que le un cheveu, quand on fait un nœud, il est très serré, l'eau elle ne rentre pas dedans. Ça fait Hatitsa. Mais shalosh enan hotzot. Mais si on a trois cheveux ensemble, ils ont noué. Alors là, comme ça devient un peu épais, le nœud il est pas très fermé, donc l'eau pénètre. Il y a pas de problème, c'est pas une hatitza. Shtayim eneyodeh. On m'a dit si c'est deux maintenant deux cheveux, je sais pas. Rabbi Hanan amar anu elanu elahat. Rabbi Hanan dit nous on a appris qu'une seule. Ça veut dire seulement quand il y a un cheveu qui est noué, là une hatitza. Ça veut dire que deux non. Amal Rabbi Yisrael Dvar Torah, et Rabbi Yisrael dit comme ça. Quand on a dit, en parlant de Hatzitsa, « Alakha le Moshé Mishinai, Robbo Hamakpid Alav Hotzitz. » Quand quelqu'un, il a la majorité des cheveux, qui sont, par exemple, sales, ou qui sont noués, et Makpid Alav, et lui, ça le dérange, alors ça, c'est une Hatzitsa. Ça, c'est Mena Torah, une Hatzitsa. Maintenant, Robbo Veno Makpid Alav, et le Hotzitz. Mais si la majorité, il y a, c'est donc mélangé ou noué. Mais il ne marque pas dans la, ça ne dérange pas. Mais la Torah est une hatitsa, c'est pas une hatitsa. Seulement, mais gazo, hachamim ont décrété, même quand il y a une majorité qui est donc mêlée, même si le monsieur, il ne dérange pas, eh bien ça s'appelle hatitsa. Mais je ne bois marpide de peur que une autre fois, il va être marpide, il va dire non, c'est pas grave. Donc, et on a aussi fait exération de Mirotam, même s'il y a une minorité, mais que ça le dérange. Là aussi, les Hachamim ont décrété que c'est Hatzitsa, c'est pas bon, à cause de la majorité qui dérange. Donc, dans la Torah, seulement quand la majorité, elle est donc entremêlée, et en plus ça dérange. Selon les Hachamim, quand il y a une majorité, même si ça ne dérange pas, et quand il y a une minorité, même ça dérange, ça aussi c'est une Hatzitsa. Et la Gemara dit. Pourquoi on ne fait pas encore une xéra sur la minorité, même si elle ne dérange pas? Parce qu'il y a la minorité qui est dérangée aussi, donc on a dit que ce n'est pas bon. Alors on m'a dit, on ne peut pas rajouter une xéra sur une xéra. Déjà, la minorité, quand il est marpide, c'est déjà une xéra. Tu rajoutes encore une marpide, donc on ne fait pas ça. Amar Rav Ravidi. Nida bismana ena tovelet ela balaila. Une femme nida quand elle fait le mikvé bismana, c'est-à-dire après le septième jour, après les shivah nechiyim, eh bien ena tovelet, elle ne peut faire mikvé que la nuit seulement. Par contre, vishelo bismana,
si elle fait le mikvé au-delà du huitième jour. Tobelet ben mayom ben balal, elle peut faire le mikvé même le jour ou la nuit, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est ce que dit Rav. Rabbi Yohanan amar, viens Rabbi Yohanan, dit non. Ben bismana, ben shelo bismana, ena tobelet ala balayla mishum sarach beta. Que ce soit le septième jour au soir ou après le huitième jour, toujours elle fait le mikvé que le soir. Pourquoi? Mishum sarach beta. Parce que si sa fille a la voix, aller au mikvé dans la journée, la fille, elle ne sait pas que c'est une tvila shelo bismana qu'on est après le huitième jour, et elle va croire que le septième jour aussi on peut faire le mikvé dans la journée. Et après elle va se marier, ça fait qu'elle est nida encore, et c'est assur, donc c'est pour ça que Rabbi Yohanan, il a dit, même, donc chez l'obismana, c'est que la nuit. Et même Rav aussi, il a changé d'avis, il est revenu sur ce qu'il a dit. Comme on voit, Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rav, nida, ben bismana, ben chez l'obismana, il a trouvé la balla, il a mishum sarbita. Donc Rav lui-même, il a dit ça, que la nida, qu'elle soit, donc le septième jour au soir ou après le huitième, dans tous les cas, elle ne fait le mikvé que la nuit à cause, donc justement pour que sa fille elle ne se trompe pas. Atrin ravedi benere shemetbal biyomad et manier meshom adiuta. Donc, on nous ramène ici quelques cas où il y avait des exceptions. Ravedi, il a instauré dans la ville de Neresh que les femmes, elles font le mikvé le huitième jour dans la journée à cause des lions. Il y avait des lions là-bas et là, on avait peur d'y aller dans la nuit. Rabaha bala Yaakov be Papounia meshum ganavi. Rabaha bala Yaakov, lui, il a instauré à Papounia de faire le huitième jour dans la journée et pas la nuit du huitième parce que à cause des voleurs. Rabuda befumdita meshum sena. Rabuda a fait la même chose dans Pumdita à cause du froid qui régnait le soir, la nuit, donc il a autorisé à faire le mikvé le lendemain, le huitième jour dans la journée. Enfin, Rava bemhosa meshum aboulay. Rava bemhosa, elle a fait la même chose à cause des portiers qui avaient donc là-bas, qui fermaient la ville, c'était des goyim. Et donc c'était une sakana de passer par là-bas. La nuit. Amale rapapa le abayur rava. Rapapa, il a dit à Rava, il leur a dit, merde, ha edna, kulhu safir zavot shavino rabanan. Puisque aujourd'hui, toutes les femmes, c'est safir zava. Ça veut dire que, étant donné que même une femme nida aujourd'hui, on la considère comme ça va. Puisque tout le monde, à n'importe quelle tâche de son, on fait shiva anikim. Alors il dit, Rapapa leur dit, pourquoi haramim, lit beleno be mama di shvira? Pourquoi on ne leur fait pas de vila le septième jour? Parce que si c'est nida, de toute façon, on est déjà au-delà, de, puisque il y a le jour où elle a vu plus sept jours. Et la nida, c'est le jour où elle a vu plus six jours déjà. Hein, on est le lendemain du septième. Maintenant, si c'est Zava, la Zava a le droit de faire la mikvé dans la journée, septième jour dans la journée. Pourquoi on n'autorise pas de faire la mikvé dans la journée? Abaye Rabbi lui répond. Ils lui disent, Mishum de Rabbi Shimon, à cause de ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Détania, la prophète a dit comme ça. C'est marqué dans le passeau. Hachamim dit, c'est quoi? Il faut que ce soit sept jours successifs, donc sans qu'elle ait vu du sang pendant les sept jours entiers. Ça, c'est Tanakama qui dit ça. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit, c'est-à-dire, dès qu'elle a commencé le septième jour, elle peut donc faire le mikvé le jour même dans la journée. Seulement, Rabbi Shimon est dit, Aval amro haramim, asola asut ken shimita voulait des affaires. Mais les haramim ont dit, c'est interdit de faire le mikvé dans la journée. Pourquoi? Shimita voulait des affaires de peur qu'elle arrive à s'affaire. C'est-à-dire, imaginons qu'elle fait le mikvé dans la journée le septième jour. Et après, elle va avec son mari. Dans l'après-midi, elle saigne. Alors, dans ces cas-là, elle est shimanakim et saute. Et c'est comme si qu'elle a été Zava, et elle a une relation avec son mari pendant qu'elle était Zava, et c'est assourd. C'est pour ça qu'on attend la tombée de la nuit du septième jour au soir, la nuit. Ama Ravuna, il est Ravuna, Isha, Hofefet Be'ahad Be'Shabbat, Be'tobelet Be'Shelishi Be'Shabbat. Une femme, elle a le droit de se laver les cheveux par exemple dimanche, et elle fait le mikvé le mardi, c'est-à-dire donc à deux jours d'intervalle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, en fait, bien Shabbat, on va te mettre un Shabbat. La preuve, c'est que quand une femme a la mikvé samedi soir, elle ne peut pas se laver les cheveux le samedi soir. Shabbat, elle ne peut pas. Elle se lave dimanche. Vendredi, Shabbat, et elle fait le mikvé. Donc, au troisième soir, troisième jour plutôt, samedi soir. La même chose, il dit Ravona.
Elle peut se laver les cheveux le dimanche et elle mikve, elle le fait le mardi soir, donc la nuit du mercredi. Pourquoi? La preuve, c'est que des fois, dimanche, c'est un jour de fête. Ici, la femme, elle doit faire mikve dimanche soir. Le dimanche, elle ne peut pas se laver les cheveux, le Shabbat non plus. Elle va se laver le vendredi de la veille. Donc, tu vois bien, il y a un décalage de 3 jours. Alors là aussi, c'est pareil. Et il continue. Une femme, elle peut se laver les cheveux le dimanche et elle fait la tefila mercredi soir, donc le cinquième jour, mercredi soir. Pourquoi? Parce qu'il dit, imaginons une femme, elle doit faire mikvé lundi soir, et que dimanche et lundi, c'est Yom Tov de Rosh Hashanah. Et on ne peut pas se laver les cheveux pendant Yom Tov. Shabbat non plus, on ne peut pas se laver. Et elle se lave les cheveux le vendredi. Donc tu vois bien qu'on peut faire se laver à distance, un jour, 2 jours, ou même 3 jours, par rapport au soir du mikvé. Ça, c'est ce que dit Ravuna. Rav Hasda dit non. Les autres cas où c'est venu comme ça, donc samedi soir ou dimanche soir à Yom Tov, ou donc lundi soir parce qu'il recherche un an, je suis d'accord qu'on peut se laver vendredi, on fait ça. Mais on ne dit pas, puisqu'on peut faire ça, alors donc en semaine aussi on peut faire ça, on ne dit pas. Quand c'est possible, c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, quand il y a un jour de Shabbat ou une fête, ou 2 jours de Rosh Hashanah, c'est pas possible de se laver les cheveux. Là, on tolère de faire le lavage vendredi pour faire le mikvé 2 ou 3 ou 4 jours plus tard. Mais, en semaine normale, il faut qu'elle se lave les cheveux le jour même où elle va aller faire le mikvé. Velavi maramal. Il vient Rami Mar, il dit, afele shekename amrina. Il dit non, moi je suis comme Ravuna. On dit, puisqu'elle peut faire ça, alors elle peut faire ça. Donc si, puisqu'elle peut faire ça samedi soir ou dimanche soir après un jour de fête, on peut donc, 2 jours ou 3 jours de distance, on peut le faire. Leva, sauf le dernier cas, Rabbi Mar n'est pas d'accord. Mais ça, on fait vite Behad, Beshabbat, Otobet, Bahamish, Beshabbat. Quand on a dit qu'une femme qui a migvé le lundi soir et que dimanche lundi c'est Rosh Hashanah et que donc elle se lave les cheveux vendredi et faire le mikvé lundi soir, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi et donc mardi, ça fait 5 jours. Il dit ça, Rav Yemar, il n'est pas d'accord. L'ita, celui-là, on n'est pas d'accord parce que elle peut très bien se laver le soir même à la sortie de Rosh Hashanah et donc faire le mikvé le soir même et donc il n'est pas d'accord sur le dernier cas. Darash Medemot. L'Agma a dit que mes remords, il a expliqué. Il a dit, Hinchita, Kerav Hasda. La lacha, les combrav Hasda. C'est-à-dire, on fait pas, on se lave pas les cheveux à distance de la tvila. Il faut le faire quand c'est en semaine. Le jour même, on se lave les cheveux et on fait le mikvé. Vichedem Rantades Ravimar. Et comme il a dit Ravimar, c'est-à-dire Ravimar, il a dit que quand il y a 2 jours de Rosh Hashanah, on ne fait pas 5 jours, on fait le lavage des cheveux, la sortie même de Rosh Hashanah, et en même temps, elle fait le mikvé. Et bien, Yaléo Lagma a dit, on s'est posé la question, Isha, est-ce qu'une femme, elle peut se laver les cheveux le soir même de son mikvé, et elle faire la tefila le soir même? Est-ce qu'on ne vous dit pas, peut-être que quand elle est pressée, elle va un petit peu bâcler le lavage, elle ne va pas bien se laver, il y aura des hatitsa. Morzotra aussi. Velafhina mesoda shari. L'Agma a dit que Morzotra, il interdit de se laver les cheveux le soir même du mikvé, alors que l'Afhina de Sora, il permet. Amal et Ravada, il a dit Ravada à Rafhina mesora. Il lui dit, la wachi abamda, bedvito de abamari, rishgalota de kou. N'est-ce pas qu'il y avait comme ça une histoire avec la femme de Abamari, qui était le rishgalota? Et des côtés, donc il était en dispute avec sa femme. Azar Rav Nachman Bar Yitzchak Rifayosa. Il est allé à Rav Nachman pour apaiser la colère de la femme. Et Be'amal Amrale, elle lui a dit, Ma'ete Hashta, pourquoi tu es venu comme ça la nuit pour m'apaiser? De toute façon, Tesgi Aitelemaha. De toute façon, je ne peux pas, même si maintenant je me prépare, je ne peux pas aller me laver les cheveux maintenant et faire le mikvé maintenant.
Viadam, il a compris Rav Nachman. Il lui a dit non. Amar, il lui a dit, Dodé Hassard, Tashtaqi Hassard, Avdi Hassard. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'il te manque, toi, puisque tu es la femme du riche Galuta, est-ce qu'il te manque des bassines pour chauffer l'eau et pour donc te laver ce soir? Ou Tashtaqi Hassard, est-ce qu'il te manque des chaises pour t'asseoir, pour te laver convenablement? Avdi Hassard, est-ce qu'il te manque des serviteurs pour t'aider à te laver? Et donc, tu vois bien que on a le droit de se laver les cheveux le soir même qu'elle va faire la tvila. C'est ce qu'il lui a dit, donc Ravada à Rav Hina Mesoura, pour confirmer ce qu'il a dit.